petit tuto sur le module Pister Sog. Donc je vous ai préparé toutes les zones. Voilà. Donc le module Pister que vous trouvez dans les modules Sog, zone de Pister que vous posez par défaut. Voilà, 1000 mètres en forme circulaire avec un emplacement à 0. Dedans vous avez des sentinelles, donc c'est deux sentinelles qui se patrouillent tant que vous attaquez pas, elles font rien de particulier. Deux pisteurs qui, dès qu'ils vous détectent, ils vous foncent dessus, mais par contre, ils ont, pareil, une zone de recherche. Patrouille, c'est 4 soldats. Et avalanche, carrément une section qui vous fonce directement dessus. Donc, on va voir, je vous ai fait des tests par rapport à des tailles de zone pour les sentinelles, pour les pisteurs, pour la patrouille et pour l'avalanche. Et l'avalanche ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Ici dans les zones j'ai mis des rayons de placement, mais vous allez voir ça, et ici je vous ai mis un déclencheur pour vous montrer comment ça marche une zone avec un déclencheur, pour vous montrer que ça, tant que vous n'êtes pas dans le déclencheur, ça active pas la zone. Par contre, une fois qu'elle est activée, après c'est parti. Je vais enlever le setup fort. Voilà, ça on le fera une autre fois. Ok, donc une zone pisteur. Je vais accélérer le temps parce que sinon ça serait trop long. On va passer en Zeus. Voilà, donc on voit, là je vous ai mis des petites zones pour qu'on voit quand c'est que c'est actif, quand on est dans la zone, sinon c'est compliqué. Donc on va pénétrer dans cette zone où il y a des sentinelles. On va mettre à 2000 pour les unités. Voilà. Ah, ça a déjà commencé. Ça fait déjà une minute que je suis dedans. Les sentinelles, on pop. Voilà. Là, elle risque de m'attaquer. Encore non, vous voyez. Si ils ont commencé à me tirer dessus, ils sont passés très proches de moi. On va se téléporter. Et là, les sentinelles, boum, ça. Ce qui sentinelle les pisteurs, c'est vraiment un nombre. Donc là, déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ils sont dans tout le secteur. Vous voyez, ça monte, c'est en permanence que ça vient. Donc on va sortir du secteur, on va rentrer dans le secteur d'à côté où on a les pisteurs, et là vous allez voir, petit à petit, vu que vous êtes éloigné, il n'y a plus de nouveaux qui pop, et ceux qui sont à plus de 1000 mètres de vous, petit à petit, disparaissent. Et là on est rentré dans la zone suivante. Et là, c'est toujours deux packs de pisteurs qui vous cherchent. Donc il faut s'éloigner un peu plus, petit à petit, pour que ça fasse dépop les unités. Sinon, voilà. Tant que vous n'êtes pas à 1000 mètres, elle ne dépop pas. Et là, on a des pisteurs, par contre, qui commencent à pop, qui arrivent petit à petit. Toujours dans la zone. J'ai toujours un rayon de placement à 0, donc ils pop aléatoirement dans la zone. C'est une zone circulaire de 1000 mètres. Donc on va s'éloigner vers l'extérieur du secteur, sans sortir. On a les dernières sentinelles des pop. Là, les patrouilles, les pisseurs qui sont trop loin s'en vont. Et les nouveaux, par contre, pop plus proche de nous. En fait, ils pop dans les 1000 mètres, mais en restant dans la zone, par contre. Quand ils pop. Mais ils sont plus proches. On va passer dans la zone de la patrouille. Donc vous voyez, ça ne déclenche pas tout de suite. Il y a toujours une petite minute. Les anciens pisteurs, qui sont plus de 1000 mètres, petit à petit, s'en vont.
Et là, les nouvelles, les patrouilles de 4 commencent à popper. On va se déplacer un petit peu. Les nouvelles patrouilles, elles arrivent petit à petit. Va s'éloigner un peu pour que les pisteurs finissent par disparaître. Voilà, pour qu'il y ait des pop. Quand les patrouilles sont en rayon concentrique un peu plus serré et pop. Voilà, ça pop toujours proche de vous. On va aller dans le secteur avalanche. Voilà, là, les patrouilles dépopent petit à petit, parce qu'elles sont plus de 1000 mètres de nous. Les autres, là, sont toujours actives, parce qu'on est toujours assez proche. Par contre, il n'y en a pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles qui pop. Et on n'a toujours pas. On va se mettre un peu plus loin, faire partir les derniers patrouilles. Donc là, toujours pas d'avalanche. Les dernières patrouilles vont dépoper, parce qu'on est à plus de 1000 mètres. Voilà. Maintenant, on va se rapprocher du déclencheur. On va se mettre dans le déclencheur. Donc, faut toujours attendre un petit temps. Et là, voilà, avalanche, une section entière. Et qui a un seul point à proximité de vous. Et là, c'est parti. On a déjà 3. Donc, si je me déplace dans la zone. Leur point, maintenant qu'il sait, quand il sait, il va se réactualiser plus proche de nous. Voilà. Petit à petit, on va se mettre de l'autre côté de la zone pour vous montrer. Voilà. Ils viennent sur vous. Par contre, en avalanche, il n'y a pas plus de 5 unités. Voilà. Là, on est attaqué. Un peu ancien, on a détruit 2 unités. Vous allez voir. Là, les autres, on va se déplacer par exemple, parce qu'on les aura détruites. Donc, les anciennes vont revenir sur vous toujours. Donc, ça vous met toujours la pression, c'est toujours sur vous. Et voilà, déjà une quatrième qui revient. C'est toutes les 30 secondes que ça met un truc. Voilà, une cinquième qui est. Donc les avalanches, c'est pas plus de 5. Donc pisteur. Donc sentinelle, pisteur, patrouille, avalanche. On va sortir de tous les secteurs. Et vous allez voir, ça va dépop. Dès que vous sortez des secteurs, pam pam pam, vous êtes à plus de 1000 mètres. Ça dépop. Donc si vous voulez mettre la pression tout le temps sur les joueurs, vous mettez des cercles sur leur trajet, et ils auront toujours de la pression. On va passer sur les cercles de 500 mètres. Donc sur les sentinelles. Donc il faut toujours attendre une minute que ça commence à se déclencher. Voilà. Et après par contre, donc on va se déplacer. Quand les sentinelles elles viennent plus vite. Voilà, dès qu'il y a 30 secondes, tac, vous avez une nouvelle sentinelle tous les 30 secondes qui apparaît. Et quand un rayon de patrouille dans le secteur. Pareil, donc là du coup ils sont plus proches de vous. Si vous faites un rayon un peu plus petit de 500 mètres, forcément vous avez plus de chances de tomber sur les sentinelles. On va passer sur les pisteurs. Vous allez voir les sentinelles, voilà. Tac, tac, elles commencent à disparaître. Il faut attendre une minute. Et voilà, nos premiers pisteurs arrivent. Là, je suis pas assez éloigné d'eux, donc ils n'ont pas encore disparu. Si j'avance dans la zone, normalement, ma petite sentinelle, elle va être à plus de 1000 mètres de nous, elle va s'en aller. Voilà. Et l'un des nouveaux pisteurs qui arrive. Donc, on va sortir de la zone, mais on reste à moins de 1000 mètres. Il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent, mais les autres ne sont pas encore dépopés parce qu'on est toujours en moins de 1000 mètres.
On va se déplacer à 1000 mètres et là, petit à petit, ils vont disparaître. Voilà. Tac. Pas de nouveau, et on va finir par s'en aller. On va aller dans la zone de la patrouille à 500 mètres. Attendre 1 minute que les premiers pop. Donc plus ce cercle est petit, plus c'est compliqué pour faire pop. Donc on commence à arriver à la patrouille, sur 500 mètres c'est compliqué pour les faire pop. Ça marche, mais voilà, c'est pas un... Donc là par contre ils viennent cacher sur vous, parce que la zone étant petite. Et là eux ils ont popé, je me suis un peu éloigné, ils ont eu plus de place, donc là ils sont pas directement sur moi, mais ils font un cercle de recherche. La patrouille. Voilà. Donc attention, 500 mètres, descendez pas en dessous, c'est compliqué pour du circulaire. On va aller dans l'avalanche à 500 mètres. Là, vous allez voir, bon, les autres dépopent pas, ils sont toujours moins de 1000 mètres. Ah, ça marche, des fois ça marche. En général, ça marche pas, il faut être vraiment au bord. Je vais me mettre en plein centre. Je vais virer la section. Vous allez voir qu'ils vont pas pouvoir popper en fait. Donc quand vous pénétrez, si, c'est 1 minute. Donc si vous commencez, vous déplacez vite, ça va pas avoir le temps de mettre de l'avalanche. Hein, ça me l'a fait pop quand même. Non, c'est pas l'avalanche, c'est la patrouille. C'est la patrouille qui vient sur moi. Ils ont dû me détecter, ils viennent sur moi. On s'est pas assez éloigné d'eux, donc ils sont toujours actifs. Par contre, l'avalanche, il n'y en a pas de nouvelles qui arrivent. Vous voyez, c'est trop petit. Je vais le mettre en limite du secteur, comme si avant, comme si j'arrivais de l'autre côté. Voilà, du coup, là-bas, les patrouilles, elles s'en vont parce qu'elles sont plus de 1000 mètres de moi. Et là, vous voyez vraiment limite de secteur, ça déclenche une avalanche. On va les tuer, parce qu'il y en a marre. Donc on peut voir que avant d'en mettre, c'est un peu compliqué. C'est quand vous rentrez dans le secteur, ça va déclencher à 500 mètres. Je vais passer. On va passer sur le cercle plus petit à 250 mètres. On va rentrer dans une zone de sentinelle de 150 mètres. Vous allez voir l'avalanche. Pof, il s'en va. Il n'y a plus de joueurs actifs, plus de 1000 mètres, c'est fini. Donc là, on rentre dans le secteur de sentinelle à 250 mètres et ça marche. Ça en déclenche. Donc si vous rentrez à pied, ça va les déclencher. On va faire un posé hélico à 500, sur 250 mètres sur des pisteurs. Donc on est au deuxième degré, pisteur. Sur une zone de 250 mètres. On fait un posé hélico au plein centre. Vous allez voir. On va laisser le temps. C'est un peu plus aléatoire. Ça a du mal à popper. Vous voyez, ça pop pas. Ça fait déjà 1 minute et il n'y a rien qui pop. Ils n'ont pas la place. On va descendre à pied dans la zone. Oui, ça a du mal à pop. On est à 250 mètres. Ça a du mal à pop. Déjà sur les pisseurs, déjà ils ont du mal à se déclencher, vous voyez. Il vaut mieux éviter d'être en dessous des cercles de 500 mètres. On va se mettre dans la patrouille, on va se mettre en bordure du secteur, comme si on rentrait à pied. Donc là, hop, les autres ils disparaissent direct, tout ça, ils cachent plus de 1000 mètres. Là, voilà, ils arrivent à pop. Mais bon. Il faut vraiment arriver à pied, parce que si vous.
mais en plein centre, ils ne vont pas popper de suite. Ils n'auront pas la place de se déclencher. Donc on va aller dans l'avalanche à 250 mètres, en limite de secteur, comme si on arrivait par ce petit chemin là. Donc là on est à moins de 1000 mètres, donc ils ne vont pas disparaître tout de suite. Voilà, hop, ils passent à plus de 1000 mètres, donc ils sont partis. Et là, par contre, j'ai activé des patrouilles dans le secteur de pisteurs d'avalanche. Ça me les a déclenchés. C'est dingue. Ça m'a pas déclenché les sections, mais ça m'a déclenché des patrouilles qui sont venues cacher sur moi. C'est bizarre. On va voir si ça l'en fait. Mais vous voyez, pas d'avalanches qui sont déclenchées. Ça ne me l'avait jamais fait dans tous les tests que j'ai fait, mais bon. Et là, bon, vous voyez, ça a marché une fois, mais c'est un peu bizarre. Donc on va pas passer sur les cercles de 50 mètres, ça sert à rien. Je vais vous mettre une sentinelle. Si vous voulez dire qu'il y a une sentinelle à cette zone-là. On va arriver par la petite route qui est là, à 50 mètres. Vous voyez, là, il y a un bâtiment. On va voir si ça fait pas des sentinelles. Normalement, on peut rester. Ça devrait pas en faire pop. On va attendre 2 minutes. Le compte, là, on va laisser passer un peu le temps. On a une surprise, mais j'ai fait des tests, ça n'a pas marché. Donc, cercle trop petit, ça marche pas. Ça sert à rien de vouloir faire de la micro jaune parce que c'est. Voilà. Surtout que vos joueurs ils vont pas rester là 50 ans, ils vont se déplacer rapidement. Vous voyez, ça pop pas. 250 minimum pour les sentinelles. Pour les autres aussi, mais bon, c'est moins 500. Vous êtes sûr que ça va pop. Là, vous voyez, là, 50 mètres, rien qui pop. Donc on a pu voir les pisteurs, donc les modules pisteurs, donc sur Sentinelle, pisteur, patrouille, avalanche. Vous voyez que plus vous réduisez le cercle, moins il y a de chances que ça pop. Et avec un effet déclencheur, tant que vous n'avez pas activé un déclencheur, la zone pisteur n'est pas, la zone n'est pas active et ne déclenche rien. Donc ça va vous permettre de faire commencer à déclencher que quand vous êtes à un point bien précis. On va passer sur les zones carrées. Ou après du coup là. On a du 1000 par 1000, du 1000 par 500 et là du 1000 par 200 pour vous montrer le long d'une piste par exemple. Donc sentinelle, pisteur, patrouille et pour l'avalanche, je vous ai fait du 1000 par 1000, 1000 par 500, du 1000 par 300, du 1000 par 200, du 700 par 200 et du 1000 par 100 pour faire quelque chose de très serré. Donc je vais pas tout vous déclencher parce que c'est. Mais voilà, ça marche sur tout ce que j'ai fait là. Sur toutes ces positions, ça marche. Même pour les avalanches, sur des trucs, vous allez voir l'intérêt pour certaines missions. Donc là, c'est reparti. On va aller. J'ai récupéré ma voix, mais c'est pas encore ça. On va accélérer. On va aller directement. Dans le premier carré, 1000 par 1000 des sentinelles. Voilà, je rentre dans le 1000 par 1000 sentinelles. J'ai toujours 2000 mètres là pour actualiser. Ouais, c'est parti.
on va se déplacer, on va continuer à progresser dans le secteur. Donc je suis obligé de réactualiser parce que sinon, en fait vous les voyez pas. Même si elles sont proches de vous, elles n'apparaissent pas sur la map, comme c'est des unités générées. Je suis obligé d'update pour les voir. Donc vous voyez là, il faut quand même mettre une certaine... Petit à petit elles vont... Oui, là, j'ai mis le rayon de placement à 100 mètres. Et là, je l'ai mis à 500 mètres. Donc, vous voyez, 100 mètres, mais elle ne peut pas 100 mètres de moi. Donc, c'est un peu bizarre. Je continue à me déplacer. Ils ont un peu du mal à pop parce qu'ils ont rien de placement de 100 mètres, je sais pas. Quelque chose qui les empêche de pop proprement. Le rayon de placement, c'est un peu plus aléatoire. On va continuer à se déplacer dans la zone. Elles sont par contre sont concentrées. Ils restent concentrés à leur première position de pop. Je vais aller me mettre de l'autre côté de la zone. J'ai traversé sans rencontrer personne. Vous voyez les nouvelles pop assez proches de moi. Et celles là-bas, elles sont à plus de 1000 mètres. Elles disparaissent. Là voilà, ça pop. On est dans une ville là, vous voyez les sentinelles. Petit à petit, pop, pop, pop. Ils apparaissent. Par contre, le mage est assez serré. Ils sont pas aléatoirement dans la zone, en fait. Ils sont plus serrés, proches de vous. Voilà ce que ça fait, le rayon de placement, c'est. On va passer sur les pisteurs. Avec la zone à 500, le placement. Donc là, eux, ils vont des pop. Et voilà, les pisteurs, ils apparaissent. Déjà à 7 groupes de pisteurs, 8. Bon, je vais passer dans le secteur patrouille, vous allez voir, ça fait exactement la même chose. Il faut attendre une petite minute que ça commence à pop. Les autres, ils commencent à dépop. Voilà. Patrouilles, elles apparaissent. Et les autres s'en vont là-bas. Donc 1000 par 500, ça marche toujours. On va passer directement dans le 1000 par 200. Et là, plus c'est petit, plus c'est compliqué pour faire pop. Vous allez voir. Comme c'est plus serré, ils ont du mal à se déclencher en fait. Donc on va avancer un peu dans la zone. C'est un peu plus compliqué, ils ont du mal à passer de largeur. Je vais me mettre un peu en extrémité là. Ils ont du mal à se déclencher parce qu'il n'y a pas assez de largeur. Voilà, ils ont réussi. Ils ont un peu plus de place autour de moi pour se déclencher. Donc c'est un peu plus compliqué pour les faire activer. Après, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc vous pouvez faire une zone, mais ça va être un peu plus aléatoire. On va passer chez les pisteurs. Donc là déjà ils ont commencé à dépoper. Ouais, bon, c'est vite parti. On va attendre. On va laisser le temps.
ça fait déjà une minute, il n'y a personne qui a pop. C'est un peu plus compliqué, ils ont du mal à... Il n'y a pas assez de place, on va se mettre en extrémité là. Il n'y a pas assez de largeur. Ils ont besoin d'une... 300 c'est bien. Pas descendre pas en dessous de 300. Parce que là ils ont un peu du mal, vous voyez, à pop. On va aller sur la zone de 500 pour vous montrer. Toujours une petite minute avant que ça commence à pop. Voilà, dans la zone de 500, ça pop plus facilement. Donc, si vous divisez trop vos zones, vous risquez de ne pas les faire pop. On va aller dans la zone patrouille. Si on rentrait par la route quand même, c'est plus logique. Pas un peu où on vient de débarquer ici là. Voilà, là, les patrouilles elles sont là direct cache. Ça marche, ils ont la place pour pop. Ouais, une zone, un secteur. Avec un village, vous arrivez par la plage par exemple, et là les patrouilles elles commencent à popper. Mais ils ont un peu plus de mal, plus la zone est petite, plus c'est compliqué. C'est pour ça que par défaut ils vous mettent des zones à 1000 mètres. C'est ce qui marche à tous les coups sûr. On va se déplacer, on va dire qu'on est arrivé au village. Et c'est un peu du mal à faire sortir de nouvelles patrouilles. Voilà, ça vient, mais c'est un peu plus compliqué. Ils ont moins la place pour pop. Là, hop, là ils ont pop direct sur nous là. Ils ont des... Les amis directs cachent sur nous. Je vais me barrer de là avant qu'il me tue. Ok, donc on voit qu'il faut pas trop descendre. 1000 par 200, ça devient compliqué pour faire pop. Les zones de... Là, ça marche pas très bien. C'est laissé à zéro. Ça vous évitera des déconvenus. Ouais, là, je suis déjà dans la zone à côté en dessous là, 1000 par 200, zone de patrouille. Il n'y a rien qui se passe, ils ont du mal à pop. Les... On va se mettre de l'autre côté, comme si on était arrivé par là. Ouais, toujours pareil, ça a vraiment du mal à pop, il n'y a pas la place. Et les autres, plus de 1000 mètres, ça va. Ils ont du mal. C'est... Donc du coup on va passer là en zone avalanche, 1000 par 1000, 1000 par 500, 1000 par 300, 700 par 200, là vous avez 1000 par 200, et là vous avez 1000 par 100. Donc on va aller directement dans le premier, 1000 par 1000, donc c'est toujours 5 maximum en avalanche par contre, hein. Les patrouilles c'est pareil, j'ai l'impression que c'est 5. C'est pas énorme. Donc là par contre, les avalanches viennent directement en proche de vous. Donc 1000 par 1000, ils ont la place pour pop, ils apparaissent facilement. On va les se mettre dans le 1000 par 500. Ouais, ils dépopent petit à petit. 1000 par 500, vous voyez, ça marche très bien aussi. Pas de soucis. On va se mettre dans le 1000 par 300. On va enlever cela. On va se mettre dans le 1000 par 300. Pareil, ça peut vous permettre de faire. Par exemple, si vous êtes ici en défense, vous pouvez mettre une zone là, une zone là, une zone là, 1000 par 300. Voilà. Pour éviter qu'ils pop trop n'importe où, vous les mettez sur un axe et ils vont commencer à pop et venir sur vous.
Contre, plus sa zone est petite, plus c'est compliqué pour faire pop des unités, mais c'est normal. Par contre, si vous la tuez, celle-là, ben, vous avez réussi à détruire celle-là. Voilà, vous avez une nouvelle. Ah merde, je suis tombé. Bon, on va se retrancher ici. Voilà. Vous arrivez à détruire celle-là. Celle avance toujours. Voilà, une nouvelle qui arrive. Vous arrivez à la détruire. Voilà, vous avez une nouvelle. Et c'est sans fin. Il vous en met des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles. J'avais jamais testé en tuant les unités. Je vais les supprimer. Si on les tue, du coup, il reste à 5. Pour lui, ils existent toujours, donc il n'en met pas plus de 5 en fait. C'est pour ça que si vous voulez vraiment mettre la pression avec des nouveaux trucs, il faut que vous mettiez plusieurs zones pour qu'il vous envoie plus que 5 unités. Sinon, il n'en met que 5 par zone. Vous voyez, je vais tuer la dernière unité. Je vais me déplacer dans la zone. Donc là, j'ai tué les 5 unités. Je ne les ai pas supprimées, je les ai tuées. Il n'en met pas de nouvelles, ça, je n'ai jamais testé. Oui, il n'en met pas de nouvelles. On va essayer un 700 par 200, vous allez voir, ça marche aussi, c'est pas mal. Après, en tout, ça marche pas. Bon, 1000 par 300, en dessous, là, ça marche aussi, c'est pas la peine de le tester. Voilà. 700, pas moins, parce qu'après, ça marche pas. Parce qu'un 500 de cercle, ça marche parce qu'il y a plus de. Là, ça marchait tout à l'heure parce qu'il y avait plus. Il arrivait à avoir de la place pour popper. Et là, si vous, sur un rectangle comme ça en longueur, descendez pas en dessous de 700 mètres, ça marche pas. On va se mettre à la croisée des deux là. Normalement, les deux sont actives. Non, mais oui, là, ça. Là-haut, celle là-haut, elle est active. Et normalement, celle d'en bas, elle est aussi active. Peut-être me mettre par là. Plus. J'ai fait mes cercles, mais. J'ai fait mes dessins, mais ils sont pas forcément précis, précis. Vous voyez, hop, la deuxième zone, 2000 par 100. Elle m'envoie aussi des. Elle m'envoie aussi des. Elle m'envoie aussi des hommes dessus. Et là, on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le cumul des deux. Vous voyez, là, du coup, ça m'en fera plus. Ça vous permet d'augmenter le nombre d'unités. Sinon, vous limitez à 5 et. Être juste si vous voulez mettre plus quoi, faut mettre une deuxième zone. Par contre, j'ai un peu plus de mal à popper
mais ça vient quand même sur un couloir plus restreint du coup, moins de largeur. Après le 700 par 300 ou le 1000 par 300, et je pense on va se mettre dans le 1000 par 300 en plein milieu là, si on a un village par exemple. Supprimer tout ça. Dans un village, j'ai fait un 1000 par 300. Et là voilà. Normalement les unités devraient pouvoir venir de la droite et de la gauche. Bon, ça dépend où se trouvent les joueurs. Ils ont du mal à démarrer de ce côté-là, ils n'ont pas assez de place pour faire leur cheminement. Donc du coup ça devient plus aléatoire. Ils viennent que d'un seul côté, vous voyez. Donc c'est à vous de positionner. Je pense qu'un 700 par 300 ou un 1000 par 300, mais en bout de la zone à défendre. Il vaut mieux être ici, comme ça vous avez les 5 unités qui déboulent toutes de même axe et vous mettez plusieurs axes qui vont venir dessus. Voilà. Et quand vous sortez, automatiquement ça dépop de l'autre côté. Plus de 1000 mètres, petit à petit ça disparaît. On va se mettre là. Voilà, ça dépop. Et là normalement déjà, on a les autres qui arrivent déjà. Donc on va revenir pour faire un bilan. Donc le rayon de placement n'est pas super judicieux. Il vaut mieux réduire ces zones, faire plus serré, du 1000 par 500. Il vaut mieux resserrer vos zones, comme ça, ça sera plus concentré que ce rayon de placement. Je trouve que c'est aléatoire, je sais pas. Faire d'autres essais, mais après, plus vous descendez la taille de la zone et moins ça pop. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aidera pour positionner les modules. Comme ça, les essais sont faits. Vous voyez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comme ça, à vous de voir comment vous les utilisez. Et en même temps, avec des clasheurs. Merci.